Je suis Nicolas Wedek, ancien joueur du FC Nantes. Oui, c'est bien l'ex-attaquant du FC Nantes. Et si vous ne l'avez pas reconnu, rassurez-vous, vous n'êtes pas les seuls. Malheureusement, physiquement, j'ai un peu perdu de cheveux, donc me reconnaître dans la rue, ça arrive, mais très très rarement. C'est naturellement dans la banlieue nantaise que Nicolas Wedek s'installe après sa carrière de footballeur. Et pour sa reconversion, il a choisi l'hôtellerie. Les premières années, je me suis beaucoup posé la question, rester dans le foot, pas rester dans le foot, je sais pas moi, acheter un bar, jusqu'à ce que je trouve ma voie et cette envie d'investir dans l'hôtellerie. Hôtel Première Classe, Sainte-Sainte-Luce, Nicolas, bonjour. On stigmatise souvent les anciens footballeurs ou les footballeurs qui ne savent que taper dans un ballon. J'avais aussi l'envie de me prouver à moi-même que j'étais capable de faire autre chose. À la tête de son hôtel, malgré son statut d'ancien footballeur, l'ex-vedette nantaise s'investit pleinement dans sa nouvelle activité. Je peux faire de la réception clientèle téléphonique, comme aller aussi mettre la main à la pâte dans les étages pour faire le nettoyage des chambres. Là, vous vous remémorez un petit peu toutes vos années où vous avez passé dans les hôtels quand vous étiez joueur de foot et vous laissiez les chambres d'hôtel dans un état dégueulasse. Malgré un début de championnat difficile, Nicolas Wedek est optimiste concernant l'avenir de son club de cœur. Il semblerait que là, il revienne un peu plus à ce qui a fait l'ADN du club, c'est-à-dire la formation. Et grâce à cette formation, le club a connu des résultats. Donc, ça va prendre quelques années pour revenir à ce que le club était, mais je pense qu'ils sont sur la bonne voie. Thank you.